En fait, je suis prof de français, musique. Pas de PS Sport. Ok, donc on voulait vous remercier. Le spectacle se termine maintenant. Donc on vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes devant la scène, toujours les mêmes qui brillent, alors au bout d'un moment, il faudrait se renouveler un peu. Ah d'accord. C'est n'importe quoi. Comme si vous saviez vous débrouiller tout seul. Bah justement, vous allez vous asseoir et vous allez nous laisser regarder. On s'occupe de la musique, on s'occupe de tout, mais vous vous asseyez et vous taisez. En oubliant les heures.
fidélité des oiseaux de passage. Je vais te faire un peu de la tête, on veut un demi-chanteur.
concierge, collège en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. L'hymne des ados du cœur qui a été composé par Maxime Sauvager. Cette fois-ci, c'est la bonne, ils sont tous là, promis, il n'y a plus personne derrière qui va venir. Pierre, c'est à toi de commencer. Oui. J'ai bien compris.
Hop là. Victoria faisait mieux, je pense, mais... J'ai rien entendu. Alors, je te rappellerai au 06... Enfin... Alors, ce spectacle n'aurait pas eu lieu sans la mairie de Goudourville qui nous a gentiment prêté cette salle, sans la mairie de Valence qui nous a prêté tout un tas d'équipements, sans le conseil départemental qui nous a aidé financièrement, et sans un homme un petit peu fou qui a cru en nous, je sais pas pourquoi, mais Monsieur Nabias. Ça fait 2 ans qu'il est derrière nous, on va le voir dans son bureau, on lui demande des trucs totalement fous, et il dit « Bon, d'accord, si vous voulez. » Merci. 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 Merci beaucoup. Et vous pouvez souffler, il n'y a aucun élève sur les 300. Enfin, jeudi, ça s'est un peu mal passé. Le reste, c'était bon. Bien. Un autre, sans qui, effectivement, ben, on serait rien. Parce qu'on n'aurait pas de son, on n'aurait pas de lumière. Et à chaque fois, on lui demande des choses impossibles. Et lui, il ne nous dit pas que c'est impossible, il nous dit « C'est compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. S'il vous plaît, un geste son. » Monsieur Olivier Morier. Alors, on va la refaire, parce que Olivier, là, il nous sonorise, après, c'est un des derniers concerts que tu sonorises, donc on va le remercier vraiment une deuxième fois, pour être très fort. Et lui aussi, il a cru en nous dès le début, et voilà, l'an dernier, dès la première année, quand on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, il nous a tout de suite appuyé sur tous les points, voilà. Ensuite, un autre qui le reste de l'année est professeur de lettres. Puis bientôt, il faudra rajouter musique sport, donc. Hein. Mais là, pour le coup, il est à l'ordinateur. Jonathan Otina, s'il vous plaît. Alors, il ne va pas pouvoir s'auto-éclairer, hein, mais à la poursuite, c'est Rémi Pouxviel. Rémi qui a également participé aux chorégraphies avec Marine Sicre, la chorégraphie magnifique de la corrida que vous avez pu voir au début. Et pour les deux, on peut aussi les applaudir parce que cette chorégraphie... Oh, une autre qui est particulièrement timide et pourtant elle a battu un boulot de fou, elle a anticipé même avant nous, je pense. Hein, elle a commencé à préparer le spectacle avant qu'on même on commence nous à penser à faire un spectacle. Voilà. Les costumes, les décors, madame Nathalie Marcignac, s'il vous plaît. Aidé également à l'accordéon, mais aussi au décor par monsieur Lilian Brass, s'il vous plaît. Et puis, une autre aussi, à qui, effectivement, on a demandé 50 000 choses pendant l'année. On lui disait, tiens, au fait, là, dans 5 minutes, tu attaques telle répétition. Ok, c'est bon, t'as les partitions. Non, t'as pas les partitions. Bon, mais tant pis, tu le fais quand même. S'il vous plaît, notre collègue de musique, madame Aurélie Chapuis. Pour les décors aussi, on a eu la participation aimable de Carole Richasse et aussi les élèves de l'Ulysse, de Caroline et Estelle. Donc merci pour tout. Merci aussi à Nathalie qui nous a prêté les rideaux, qui nous a prêté la poursuite. Je te sens pas du tout arrivé, toi. Évidemment, on a eu un succès absolument phénoménal cette année, comme on vous a dit. Là, les gens qui sont là, ils ont pris les places une semaine maximum après la vente, après la mise en vente des billets. Et c'est grâce notamment à l'Office de tourisme de Valence d'Agen qui a permis de faire ça. Donc merci à l'Office de tourisme. Depuis 2 ans aussi, on a la chance d'avoir de très très belles affiches qui sont faites par Mélodie Liquette, ancienne CPE à Valence d'Agen, au collège de Valence d'Agen. Donc merci à elle, merci aussi à Publiver qui nous a imprimé gracieusement ces affiches.
On ne les citera pas tous, mais de nombreux collègues ont apporté leur soutien pour nous aider pour des petites choses, des petits détails qui prennent énormément d'importance le jour J, donc notamment ceux qui vous ont accueillis ce soir. Donc merci à eux sur les trois soirs, merci beaucoup. Et un autre de nos collègues justement qui ne nous a pas lâchés depuis 2 ans, même il y a 3 ans quand on lui a dit qu'on allait faire ce projet, il a dit « Bamco, je vous suis ». À la photo, à la vidéo, et aussi à la langue des signes que vous avez pu voir sur Emmenez-moi, monsieur Laurent Paris, s'il vous plaît. Ces derniers soirs, ils en profitent. Et avant de passer la parole à Olivier pour qu'il conclue, c'est avec beaucoup d'émotion que je remercie pour la dernière fois cette année de nombreux élèves, tous les élèves qui sont ici. On a plein qui sont en troisième, qui partiront au lycée l'année prochaine. C'est la dernière fois qu'on fait quelque chose avec eux. Donc, je vais essayer de pas craquer. Donc, merci à eux. Merci à Hier, ils ont dit quand même que c'est qu'ils étaient des morveux. On veut les secondes. Les secondes années, levez-vous tous. Levez. Les premières années, tout le monde s'en fout. Levez-vous tous. On est 60 sur 10 mètres carrés. Levez. Loan, venez. Tout le monde, allez. Tous debout. On se serre, comme au nord. Pas trop. Je suis pas l'aise. Je suis un peu serré là, Qui c'est qui me caresse? On maîtrise plus rien. Bon. On a quelque chose à dire, pas nous. Quelque chose qu'on a tous envie de dire, tous les secondes années, donc on va passer les micros pour juste tous vous dire merci, que ce soit aux parents, que ce soit à nos professeurs, à ces 4 tarés qui mettent aussi bien des cagoules. Faut s'imaginer, c'est des mecs qui mettent des cagoules mais qui après font des réunions hyper sérieuses. Donc on va passer le micro à tout le monde parce que c'est juste super de les remercier et ils le méritent franchement. Totalement. Mohamed, à toi. Bravo. Merci. On a fait des super rencontres et tout ça, on a serré des liens, on a passé vraiment de bons moments ensemble et c'était vraiment ça qu'on cherchait. Il va pleurer. Moi je voulais juste dire un grand merci à vous quatre parce que sans vous on n'aurait pas pu faire ça et encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi j'aimerais aussi dire merci à nos 4 fantastiques quand même. C'est une deuxième famille pour nous. Donc merci vraiment et on compte sur vous les premières années de cette année. Ouais, et moi je voulais dire qu'on vous oubliera jamais. Vous resterez toujours dans nos cœurs. Je voulais juste dire aussi que franchement, les deuxièmes années, merci de l'accueil, vous êtes comme nos grands frères. Et vraiment, vous allez grave nous manquer. On passera beaucoup à vous. Merci. Les troisièmes, vous avez été vraiment magiques cette année. Vous avez ouvert, vous êtes d'autres parrains. Franchement, merci. Au revoir. En vrai, y a tout le monde qui est en train de pleurer, mais on est là, hein. On est là. On va peut-être conclure. Je peux parler, s'il vous plaît. Vas-y, non, merci. Bon, ben, tu termines. On s'assoit, les autres. S'il vous plaît. On se rassoit. Allez, on se rassoit. Merci beaucoup. On se rassoit. Alors, au nom de tous les petits ados. Eh bien, on vous remercie à tous et aussi aux profs parce qu'on a passé une année formidable. Et moi, je vous remercie parce que j'ai passé une année formidable avec vous tous, un par un. Et merci. Pardon ?
Merci beaucoup. Et tu me traites pas comme ça. Allez, Olivier. Hier, ils ont pris le micro, ils ont dit que c'était 60 morveux. Moi, je crois qu'on a quand même 60 ados en or, je pense. Ouais 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 je crois que c'est l'heure du câlin général. On va quand même essayer de finir en remerciant aussi Thierry. On va demander au... On va demander à tous les bénévoles des Restos du Cœur de nous rejoindre pour la dernière chanson. On donnera cette année entre 4 000 et 5 000 euros rien qu'avec le concert, et la course du cœur qui devrait se refaire avait rapporté 3 500 euros l'année dernière. Donc voilà, on vous remercie tous, et puis on appelle les bénévoles des Restos du Cœur pour venir avec nous chanter la dernière chanson. Allez. Merci. Parmi les ados, il y en a qui ont chanté, qui ont dansé. Il y en avait 3 qui étaient en backstage, qui servaient, qui nous amenaient les micros, qui ont géré toute la logistique pendant le concert. Donc on peut les applaudir aussi. Et Mike. Et, Fabien. Merci Fabien. On va laisser la parole à Serge des Restos de Valence. Merci à tous. Franchement, vous êtes super, c'est vrai. Vous êtes des ados en or, c'est vrai, et nous, on a vraiment, vraiment profité. Donc, merci à Olivier, à Stéphane, Rémi et tous les autres pour cette belle prestation. Franchement, c'était super. Et j'en profite également pour remercier en fait tous nos collègues des Restos du Cœur, donc qui font, qui toutes les semaines, donc non seulement apportent l'aide alimentaire, mais font également du soutien scolaire, de l'aide aux Français. Et donc voilà, je voulais remercier. Puis ensuite également, on remercie tous ceux qui nous ont donné des jouets pour les enfants, parce qu'on a en gros 100 enfants à qui on doit donner un cadeau pour Noël. Et puis également, donc on remercie les gens qui nous fournissent des vêtements pour les enfants et les adultes. Voilà, donc tout ça, ça a été dit, je le répète. Et donc voilà encore, merci à vous, public, d'être présent. Et donc, vous pouvez vous lever. Les ados, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la saison 3. Thank you.
Ah, bonjour.